Le baccalauréat. Nul doute que le baccalauréat occupe dans l'imaginaire collectif français une place singulière. Le baccalauréat, diplôme de référence dans les esprits en France, n'a pas à cet égard de réel équivalent étranger, et il n'est pas d'autre pays où la fin de scolarité secondaire soit à ce point ritualisée. Sa nature d'examen essentiellement composée d'épreuves terminales se prête en effet parfaitement à la théâtralisation. La préparation des candidats, leur arrivée et leur sortie le jour des épreuves, la découverte des résultats, toutes ces étapes forment autant de repères médiatiques scénarisés par avance. Mais le poids du baccalauréat dans les représentations collectives ne tient pas seulement à l'écho médiatique qu'il recueille. Il s'explique également par l'histoire du système scolaire français, où le baccalauréat a très tôt occupé une place majeure. Le brevet de bourgeoisie qu'il conférait est en effet très vite devenu le signe d'une ascension sociale et la condition requise pour exercer nombre de professions intellectuelles. Dans une France où la démocratisation de l'enseignement secondaire a été relativement tardive, le baccalauréat a dès lors pu acquérir une aura particulière qu'il a conservée aujourd'hui. Il faut en effet attendre l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour voir croître de manière très significative le nombre de bacheliers. Aussi, la place du baccalauréat dans la société française doit-elle d'abord se référer à son histoire. Celle-ci, à rebours de nos impressions immédiates, a été longue et tourmentée. Si nul n'est jamais parvenu à supprimer le baccalauréat, son existence et ses modalités ont fait l'objet de discussions constantes et continuent de créer le débat.